transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thirsty, dead man. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead man. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. Ok, yo tout le monde, c'est Sko, et c'est parti pour le début d'un nouvel let's play sur Conan Exile. Donc c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai commencé un peu à jouer en... comment ça s'appelle? En créatif, en gros, pour tester des trucs. Donc je connais vaguement les contrôles. Mais je ne connais pas le système de progression et tout ça. Donc voilà ma vite fait. Voilà. La map est vraiment grande. Donc je pense que la meilleure strat ça va être de rush low, et je vais vous expliquer vite fait. Donc c'est un jeu un peu à la Ark, mais sans dinosaures, mais avec d'autres grosses bestioles. Il y a tout un système de capture de PNJ qui a l'air plutôt intéressant. Système de build, pareil. Je joue pas tout à fait en vanilla. J'ai des modes pour, entre guillemets, simplifier la vie. Par exemple, vous voyez qu'on est en x5 pour récolte. Par là, c'est par là. On est en x5 en termes de récolte. Je crois que j'ai mis en x10 en termes d'XP. Le temps de tame des PNJ, je l'ai baissé. On va peut-être contourner, non?
Bon, c'est bon. Du coup, ouais, j'ai augmenté l'XP, j'ai augmenté les ressources, j'ai augmenté le temps de craft des PNJ. Des PNJ. À part ça, en termes de mode, je crois que j'ai rien mis d'important. C'est pas des gros modes, quoi. Ça changera pas le gameplay, vraiment. Bon, j'espère que le let's play vous plaira. À mon avis, il est un peu plus long que le précédent, parce que c'est un jeu que je connais pas du tout. Enfin, si on finit le jeu, ce sera plus long que le précédent. Après, c'est pas dit que je finisse le jeu. Voilà, des pierres. Ça. Alors. Et ben là voilà, loup. Alors, il y a d'autres bestioles qu'on peut voir. Alors. Je crois que c'est attribute. On va se mettre des points, on va se mettre des points en string. Est-ce qu'on peut craft des trucs sur. Oui, on peut craft. Et les crafts, c'est là. Donc, je peux craft. Pioche. Hache. Parfait. Pour l'épée. Voilà, parfait. Alors, il me faut une branche, pierre et twine. Une branche, ça peut se tenir comme ça. Non. Pierre, c'est beau. Les branches, ça se prend comme ça. Voilà. Et twine, je crois que ça se fait avec les plantes fiber. On peut encore augmenter de ça. Voilà. Twine, c'est ça, oui. On va faire 10. Voilà. Tac. Bon, du coup, l'objectif principal actuellement, ça va être quoi? Je vous dirais bien que c'est de trouver un spot pour se faire une base. Des gens là-bas. Ouais, mais je pense que les PNJ sont un peu trop forts pour moi. Mais il y a un autre camp, je pense. Pour l'instant, on va se faire un petit spot. Cra, il fait un peu chier lui. On va essayer de le tuer, hein. Donc je peux esquiver. Non. Ah, j'ai pas mal mes touches. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Faut que je baigne mes touches. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Alors, normalement, on a un truc. Mais c'est où déjà? Survival. Push et voilà. Ok, bon, c'est bon là. Alors. Je pense que ça c'est pour la viande. Hein. Et ça doit être pour la peau. Pourquoi craft les deux hein. Alors. Voilà.
Et du coup, on récupère la viande. C'est parfait. Alors. Donc, pour se faire une base, il va falloir qu'on se setup quelque part. Le truc là-bas. Dans l'eau, ouais. J'étais pas sûr qu'il y avait rien, donc je préfère aller vérifier. Mais j'ai pas vu le crocodile du tout. Il m'a tellement surpris. Oh putain. En soi, on peut se setup ici pour l'instant. Donc, faut juste voir. Oh, on a plein de points en force. Alors, construction, anti-maçon. Voilà. Donc, on peut se faire des fondations. Il va y avoir de la stone et du bois. Ok, et je vais vite manquer de stone. Je me souviens que j'ai récolté avec la pioche d'ailleurs. Bon, j'ai beaucoup augmenté les ressources parce que j'ai vraiment la flemme d'aller farmer des ressources, quoi. On va faire du 3 sur 3, je pense. Porte. Et des murs. Ouf. J'ai pas de porte. Ah, 6. Tac. Tac. Et voilà. Alors. On va poser comme ça pour l'instant à l'arrache. Voilà, on commence à se construire une petite maison. Alors, c'est ma principale préoccupation. En termes de craft, on a quoi? Alors, des boîtes, faire la cuisine, ça c'est pour les PNJ. Donc on va peut-être faire un feu de camp. Pouf. Mince. On peut le pick-up? Oui, on peut le pick-up. On va poser à l'extérieur de la maison ça. Du poids. Tac. Et de la viande. Fume, celle-là. Alors que j'en cherchais plus. Et on a soif. On peut récupérer dans l'eau comme ça. Plus de bois. Tac. Et voilà. On peut commencer à se faire une maison ici, mais je pense que de toute façon on la déplacera à mort, donc c'est pas la peine de trop prendre place ici. Mais en soi, on va potentiellement rester ici un moment. Est-ce qu'on peut déjà se faire une armure?
tunique. Ça, ouais, non, ça, je peux pas le faire. J'ai plus l'impression. Juste me faire ça. J'ai plus de plantes fibres. On va la récupérer, on tuera des trucs. Oh, on n'a pas assez de vie. Je pense pas vous stopper l'épisode déjà, hein. C'est un peu con. Les insectes et les abeilles là ça se mange. Hein. Tu veux demander? Il m'a installé les jambes et les mains. On va un peu le temps que ça se craft. Et le temps qu'on régénère. Est-ce qu'on régénère d'ailleurs? Si je mange un coup. Oui, regardez. Je vais juste récupérer un max de bois pour l'instant du coup. Bien se régénérer. Est-ce qu'on peut faire un bouclier? Non. Est-ce que je peux apprendre à craft un bouclier? Oui. Alors. Bouclier en os, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas d'os. Bouclier en... Il faut du twine. Donc du twine, c'est... 4. Yep. Il y a aussi un système de religion que je vous montrerai, que je peux vous montrer là en soi maintenant. Voilà, il y a plusieurs religions dans le jeu. Moi, j'ai choisi 7, parce que c'est le plus facile pour les débutants. Mais du coup, ça, on verra plus tard. C'est pas le truc du jour. Donc, on va essayer d'éviter ces trucs-là. Ou alors, on va buter des gens. Ça me tente d'éviter les gens. Le truc c'est que j'ai peur qu'il soit fort quoi. Mais là c'est bien ce que je pensais. On va tenter. Oh non. Oula. Bon, on va peut-être pas y aller en fait. Aïe. Bon. Je dois avouer que c'était pas une excellente idée. Non, c'est bon, il m'a pas suivi. Est-ce qu'on peut pas se faire genre un... Non, c'est juste ça qui cuit. Est-ce qu'on peut pas se faire genre un bed? Parce que je crois que c'est le spawn point aussi. Décoration. Non. Clairement pas là. Hein. On va la prendre, ça coûte rien. Je crois pas qu'on puisse faire de bed. Hein. Non. On va faire furnace. On peut faire ça. Et on peut faire le furnace. On va récupérer de la pierre.
Le furnace, si j'ai pas de conneries, il nous faut de l'iron stone. Ce qu'on ne trouve pas ici. Donc ça sera pour une prochaine fois. Peut-être même la prochaine fois, je suis en train de me dire. Ah, regardez si on en a eu. 5. Bon, c'est un truc plutôt rare, quoi. Alors. Furnace, on en fait un. Truc de 7, il nous faut de la twine. Donc, il nous faut 20 twine. 10. Et on va en refaire 10. Alors. Là on a un four, donc on va pouvoir faire cuire ça plus tard. Ça, ironstone, plus ça, c'est de lingots de métal. Donc c'est ça le métal, quoi. Et le deuxième truc du coup c'était... truc de 7. Du coup on va attendre, parce que je crois qu'on peut faire des bons trucs avec en vrai. Ah oui, c'est grand. On va genre le mettre ici. Talam. Et alors, qu'est-ce qu'on peut craft? Antidote contre le poison. Ça, c'est pour faire des antidotes. C'est pour faire de la lumière, ok. Bon, ça ferait tout ce dont j'ai besoin. Je vais checker vite fait les crafts, voir s'il y a des trucs bien que j'ai oubliés. Ça c'est pour tame. En vrai j'ai limite envie d'un tamer maintenant. On va voir ce que ça coûte. Tac. Il faut du cuir. Il faut 75 métal, ok. On va pas le faire maintenant. Ça une autre fois. Fera ça une autre fois. Je sais que... Comment ça s'appelle? L'Iron Stone, elle se retrouve par là-bas, dans cette zone-là, mais c'est beaucoup plus dangereux qu'ici. Donc si on n'arrive même pas à se faire les PNJ ici... Bon, bref. Je pense que je vais pas mal farm, là. Juste farm en masse des ressources du style la pierre et tout ça. Et la prochaine fois, on se retrouvera quand j'aurai bien avancé sur la maison. Parce que en soi, je pense que je vais quand même me setup un peu ici pour un moment, avant de trouver un bon spot. Donc je vais avancer sur la maison, voilà, récolter des ressources. Peut-être craft des structures du genre la forge, ouais, qu'on a déjà. Des structures dans ce genre-là. Du coup, je vous dis bye bye et à une prochaine fois. Pour moi, ce sera sûrement tout à l'heure d'ailleurs. Et je vais pas avancer dans ce truc de on fight des bonhommes et tout ça. Allez, bye bye.
Thank you.